Frère Samuel, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler de toi, de ton parcours, de comment tu te sens actuellement. On est d'accord? Ouais. Super. Ok, comment tu vis cette renaissance depuis le début de tout ce qui se passe là? Comment tu vis cette renaissance? Ouais, je le vis. Je vis cela avec beaucoup d'humilité et positivement parce que, voilà, c'est la récompense de longues années de travail et d'un travail qui a été correctement réalisé il y a de cela 21 ans aujourd'hui, qui a été déjà récompensé dans un premier temps entre 2004 et 2005. Et voilà, le bon Dieu a trouvé qu'il n'avait pas fini avec ce travail qui avait été effectué. Et voilà, Viviane est revenue sur la scène pour faire le chemin qu'il est en train de faire, que cela est en train de faire en ce moment. Donc pour moi, c'est à la fois un immense bonheur. Voilà, même si on rencontre aussi quelques difficultés pendant qu'on avance, je crois que il faut garder le positif qui arrive, c'est ça qui est le plus important. Moi, je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est qu'aujourd'hui que Viviane, par exemple, ou bien Prince Aîné perce. Pourtant, à l'époque, c'était déjà un gros son et il n'y avait pas que Viviane comme son de Prince Aîné qui avait percé. Oui, effectivement, il n'y a pas que Viviane que comme son de Prince Aîné. Il faut dire que Prince Aîné a quand même un album, un gros répertoire. Donc, Prince Aimé, c'est un artiste de décennies au Cameroun aujourd'hui. Prince Aimé a fait des chansons telles qu'Ami Handicapé, telles qu'Aller les Lions, qui figurent dans l'album de Viviane, qui était un album de 8 titres. Mm-hmm. Et ces chansons ont été tellement appréciées du public camerounais, du public africain, entre 2004 et 2005. Mm-hmm. J'ai dû remporter également plusieurs distinctions à travers ces chansons. Mais là, il faut dire que Viviane est restée la chanson fétiche, mm-hmm. La chanson préférée, ouais, de mon public. Ouais. Parce que voilà, c'est la prémisse de mes chansons, c'est mon premier bébé. Et voilà, le bon Dieu a trouvé que c'est à travers Viviane qu'il bénira ma carrière. Mmh, super. Alors, en 2010, tu rejoins le Centre des Handicapés à Bouya. Quel a été l'impact ou bien quel a été le rôle de cette période-là dans ta vie d'artiste? Oui, il faut dire que je n'ai pas rejoint le Centre des Handicapés en 2010 parce qu'en 2010, j'avais déjà 25 ans, donc j'étais déjà un homme, un monsieur. D'accord. Je suis allé au Centre des Handicapés quand j'étais encore tout petit. D'accord. Je n'avais que 11 ans quand je suis allé au Centre des Handicapés. Ok. Et c'est là où j'ai fait mes études. Le peu de langage que j'utilise, c'est là-bas que j'ai appris à le parler. Ok. Donc, je suis sorti de ce centre en 2002. Mm-hmm. Et j'ai passé un an dans les rues de Douala et de Yaoundé, mm-hmm. à jouer ma guitare, dans les cabarets, etc. Mm-hmm. Et c'est fin 2003 que finalement, je vais sortir Viviane après avoir frappé à plusieurs portes et après avoir parcouru un chemin important au niveau de la rue, des bus où je jouais, des cabarets, etc. Mm-hmm. Maintenant, pour parler de l'école des handicapés de Bouya, il faut dire que oui, effectivement, ça m'a beaucoup apporté, comme cela a apporté également à tous les handicapés. Mm-hmm. Donc, ça m'a permis de développer un talent qui était déjà là. Mm-hmm. Ça m'a permis aussi de pouvoir structurer mes textes. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire que je chantais des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens. Ouais. Donc, à partir du moment où je pouvais lire et écrire, je pouvais maintenant structurer mes textes. Je pouvais vraiment faire un texte qui avait un sens où on pouvait suivre le texte du début à la fin et savoir qu'est-ce que je voulais dire et le corps du sujet et la conclusion. Ouais. Donc, voilà, je peux dire que c'est ce que ça m'a apporté sur le plan professionnel. Et je pense que c'était aussi une école où les gens faisaient un peu de la musique à droite, à gauche. Donc, je crois que ça aussi, ça a favorisé et c'est allé dans mon sens parce que je faisais déjà pas mal de trucs. Donc, ça m'a beaucoup encouragé également. Super. Et de... Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des Buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire. De là jusqu'à aujourd'hui, quelle est la place qu'occupe la musique dans ta vie réellement? Oui, la musique occupe, je peux dire, l'une des places importantes dans ma vie. Je dirais peut-être parce que c'est Dieu qui occupe la première place. Mais je dirais que la musique, vraiment, pour moi, est le plus beau cadeau que j'ai eu sur cette terre. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, mm-hmm. Dans ma vie parce que c'est un rêve d'enfance. Et puis un rêve d'enfance qui s'est en partie réalisé. Mm-hmm. Et voilà, je continue mon petit bout de chemin malgré certains obstacles, mais je poursuis mon bout de chemin et je pense que vraiment, la musique, c'est quelque chose de tout simplement extraordinaire. Ça, c'est l'amour qu'on partage, c'est l'affection, c'est la passion, c'est aussi... vraiment donner beaucoup de gaieté, contribuer à la paix sociale,
D'autres disent que la musique adoucit les mœurs. Donc vraiment, c'est un privilège d'avoir la musique comme, comme métier, comme passion, comme don. Voilà. Super. Et en 2020, je pense que 4 ans après, tu vas en France pour une tournée. Alors, comment ça s'est passé cette tournée? Est-ce que ça a été un échec ou bien une réussite? Il faut déjà dire que ce n'était pas en 2020 que je suis parti en France, mais en 2016. Je suis allé en 2016 pour une tournée européenne. Ouais. Et j'ai fini mon spectacle en 2016. Ouais. Et quand j'ai terminé mon spectacle, j'avais encore d'autres pays à faire. J'ai fait ce pays-là où on m'attendait pour le show. Sauf qu'après, j'ai eu des amis qui m'ont encouragé qu'il fallait rester parce que non seulement en tant qu'handicapé, je pouvais facilement obtenir mes papiers, ce qui me permet de faire des allers-retours, de revenir au Cameroun et de repartir sans problème en France si je voulais ou dans d'autres pays européens, ce qui pouvait être un avantage pour moi de ne plus peut-être prendre le visa pour aller dans certains pays pour mes spectacles. Mais ce qui m'a vraiment fait rester, c'est que j'ai été encouragé de ce qu'on pouvait m'opérer les yeux et me permettre de retrouver une partie de ma vue. D'accord. Parce que la médecine de ce côté était très avancée. Donc c'est comme ça que j'ai accepté de rester un moment. Sauf qu'en restant, j'ai dû faire face aux réalités de la société. Le logement, la nutrition, le manger, le travail, etc. Il fallait vivre. Et du coup, j'étais confronté aux difficultés de cette société-là. Pour ceux qui ne sont pas encore intégrés ou alors qui ne sont pas en situation légale. Donc du coup, je suis resté et j'ai eu pas mal de difficultés. Est-ce que ça a été un échec? Je dirais non, parce que ma tournée avait réussi. Et puis bon, je suis resté pour d'autres raisons que la musique. Maintenant, en restant, j'ai eu quelques difficultés. Et à un moment... Voilà les gars, Dexambre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Il ne vous demande pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est Dexambre, Dexambre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face au Talon Gousso. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en exemple, moi-même je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao.